Le mot du jour. Le mot du jour présenté par Marietta Keke. Chers frères et sœurs, bonjour. Comment l'Église exprime-t-elle sa foi trinitaire? Et comment agissent les trois personnes divines? Comment l'Église exprime-t-elle sa foi trinitaire? L'Église exprime sa foi trinitaire en confessant un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Esprit Saint. Les trois personnes divines sont un seul Dieu parce que chacune d'elles est identique à la plénitude de l'unique et indivisible nature divine. Elles sont réellement distinctes entre elles par les relations qui les mettent en rapport les unes avec les autres. Le Père engendre le Fils est engendré par le Père, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Comment agissent les trois personnes divines? Inséparables dans leur unique nature, les trois personnes divines sont aussi inséparables dans leur action. La Trinité a une seule et même opération. Mais dans l'unique action divine, chaque personne est présente selon le mode qui lui est propre dans la Trinité. Invoquons la Sainte Trinité en reprenant cette prière de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, pacifiez mon âme, qu'il soit votre ciel, votre demeure et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, tout livrée à votre action créatrice. Amen. Agréable journée à vous, chers frères et sœurs, et à demain.